Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager, donc pour votre tirage. On prendra également un nouveau oracle que j'ai acheté à Rennes, hein, Place Sainte-Anne. Donc c'est une petite boutique bien-être et spirituel, donc voilà, que j'ai découvert. Donc les cartes divinatoires des archanges, on prendra également le tarot mystique et on finira avec un petit message de Marie, reine des anges, et de l'archange Raphaël. Donc voilà pour les oracles et on commence tout de suite pour vous les lions. Alors les lions, semaine du 21 au 27 octobre 2024, quel va être ce premier petit message? Donc peut-être un petit conseil pour vous, et on vous dit qu'il faut agir. Excusez-moi, j'ai cru qu'une carte s'était retournée. Donc, on vous dit qu'il faut agir, les lions, par rapport peut-être à une situation. On vous dit l'événement qui te préoccupe nécessite que tu prennes la situation en main et que tu agisses. Donc, voilà pour ce premier petit message. Ah, on avait quoi en dos? Le changement. Il faut agir, il faut créer un changement peut-être. Par rapport à un événement, par rapport à une situation. On continue avec les cartes divinatoires des archanges. On va prendre trois messages et le dos. Donc pour vous, les lions. Alors, allons-y. La coupe. Et trois messages. Et le dos. Alors, nous avons purification du chakra. Alors, du chakra couronne. Nous avons la patience. Et nous avons l'harmonie relationnelle. Alors, avec la purification du chakra, l'archange Métatron vous dit « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » Donc c'est tous vos chakras. Donc il y a besoin peut-être d'une purification, hein, d'un alignement, hein, de vos chakras. On vous dit qu'il faut de la patience, parce que ça peut, voilà, prendre un certain temps. Nous avons patience, l'archange Jophiel qui vous dit « Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. » Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc voilà, il y a des choses qui ne se font pas hein, du jour au lendemain. Nous avons harmonie relationnelle, l'archange Raguel qui vous dit « Nous les anges ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus, on vous dit. » Et au dos, nous avons plein air. Plein air, l'archange Jophiel encore qui vous dit « Sortez, prenez de l'air frais. » Et entrer en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Donc voilà, c'est le petit conseil, hein, donc pour votre semaine. Et on vous dit que vous allez retrouver l'harmonie dans vos relations. Il faut de la patience. Ça peut prendre un certain temps pour que les disputes et les conflits, hein, soient résolus. Mais ça va l'être. Et on va continuer avec le tarot mystique. Alors, le tarot mystique. Alors, allons-y pour vous, les lions. On va faire une coupe. On a cette notion, hein, de vraiment, il faut de la patience. Il va y avoir une progression, une évolution, mais voilà, qui peut prendre un certain temps. Ça peut vous sembler long. Ah, on parle d'amour, hein. On parle d'amour. On parle de retrouver de la joie. On vous dit que vous êtes en bonne voie pour trouver ce que vous cherchez.
Donc ne la quittez pas, cette voie. Parle bien de conflits. Il y a peut-être eu des conflits financiers aussi avec de l'argent. Est-ce qu'il y a une histoire d'héritage qui a pu créer des conflits peut-être dans votre entourage familial? Votre entourage, oui, familial, pardon. Et allons-y. Alors, on commence par la coupe. On vous dit bien qu'il faut agir pour un changement. Et on a l'étoile. Donc là, on parle voilà, de protection qui vient de là-haut. Pour moi également, il y a ce sentiment de protection qui vient de là-haut. Ah, excusez-moi, je fais une petite pause et je reviens. J'ai un appel. Hop là, excusez-moi. Du coup, c'était pas important en plus. Alors, nous avons l'étoile. Donc, on parle d'espoir, d'un changement dans peut-être votre relation amoureuse ou dans les relations avec votre famille. On parle de vérité. Il y a quelque chose, il y a une transformation. Hein. Et on va se libérer hein, de la manipulation, des conflits, des disputes. Il faut agir peut-être là pour s'éloigner tout simplement des conflits et des disputes également. Peut-être ne pas se mêler peut-être également. Peut-être que c'est avec l'entourage de votre autre. Hein. Peut-être qu'on vous dit... qu'il ne faut pas se mêler des disputes et conflits qu'il peut avoir avec son entourage. Alors, allons-y. Tirage en neuf. Pour moi, il y a peut-être une histoire de... d'héritage là. Parle de volonté hein, de se libérer. J'ai la réconciliation. Et j'ai un souhait. On va apprendre qu'un souhait a été réalisé. Votre souhait va être réalisé. Mais ça demande de la patience. C'est quoi ce souhait? C'est quoi cette situation? On va réussir à se libérer, hein, à progresser. J'ai la réconciliation. On va aller au-delà, des conflits, des disputes. Pour moi, on sait. Moi, j'ai l'impression qu'on se dispute à cause de. Alors, soit l'entourage de l'autre, ou ça peut être votre entourage. C'est comme si des personnes créaient un conflit entre vous. Un conflit entre vous, alors, c'est peut-être par rapport à l'argent, c'est par rapport peut-être à un bien, à un héritage. Mais on va triompher, on va être au-dessus de tout ça. Peut-être que c'est parce que vous voulez réaliser quelque chose et il y a des personnes qui se mêlent de vos projets à l'un et l'autre et alors qu'ils n'ont pas à s'en mêler en fait. On vous dit, c'est peut-être pour ça aussi, on vous dit ne faites pas attention à ce que les personnes peuvent dire, hein, n'alimentez pas ce conflit. Oui.
Même si du coup ça ralentit un projet que vous avez avec votre autre, il faut agir avec réserve, j'entends. Alors ça, c'est de la jalousie des autres, qui ne souhaitent pas que vous puissiez réaliser vos souhaits et vos rêves avec la personne de votre cœur. Alors, ou tout simplement même vous, hein, ça peut être simplement un entourage qui sont. On ne veut pas que vous puissiez réaliser vos souhaits. Et c'est peut-être pour ça que ça va doucement, parce que on fait tout pour empêcher, en fait, à ce que vous puissiez avoir peut-être une rentrée d'argent ou. Il y a quelque chose là par rapport à ça, mais en tout cas, on veut vous empêcher, on veut vous priver de réaliser vos rêves. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur, hein, émotionnellement. On voit, hein, vous êtes blessé, hein. Vous vous sentez peut-être même trahi. Alors, pour les signes, nous avons les signes des scorpions. Les signes des scorpions, les signes des verseaux. On a également les signes des lions. Des lions, des capricornes, des béliers. Donc voilà, pour les signes, alors c'est simplement indicatif. On veut pas que vous puissiez construire un projet. Alors peut-être que c'est avec votre autre, hein, mais je sens, il y a un entourage. De toute façon, on parle de famille ou d'entourage proche. On veut pas que vous puissiez, on veut pas que vous puissiez connaître le bonheur, que ce soit en amour, en. Comment dire, en amour, on veut que vous renonciez à cette relation. Cet entourage veut que vous renonciez à cet en. Et il faut agir. Hein. Il faut agir, tout simplement. Parce qu'on dit qu'en plus, hein, c'est. Ah, ou c'est l'autre, hein, qui. Et on se sent piégé. J'ai quelqu'un qui se sent piégé à cause de l'entourage. Mais elle peut se libérer, cette personne, elle va se libérer. Un petit conseil par rapport comment il faut être patient. Il faut être patient. Ne pas. Il faut agir d'une manière, j'ai envie de dire, serein, sereine, en fait. Faut pas alimenter en tout cas les conflits ou donner raison à ces personnes. Il faut pas, comment dire, agir, être trop impulsif, trop dans la passion, trop. Parce que peut-être que cet entourage, ils n'attendent que ça de vous. C'est comme si on vous cherchait, on cherchait votre réaction. On vous dit, il faut agir, mais pas réagir à ce qu'on peut dire ou faire, hein, contre vous. C'est surtout ça. Et parle de mensonge, hein. On pourrait mentir, hein. Sur votre compte, hein. Mais vous allez avoir la réussite, quoi qu'il arrive. Oui, il pourrait y avoir des mensonges, on pourrait mentir sur vous, dire que vous trompez, vous. Ça peut aller loin tout de même, hein. On parle de, oui, lancer comment dire, des rumeurs sur vous, ou. Moi, j'ai l'impression que, ouais, votre hôte pourrait se mettre en colère. On parle de mesquinerie quand même. D'égoïsme. Ces personnes pensent qu'à elles, elles pensent même pas à l'autre personne. Si c'est son entourage,
C'est peut-être pour ça, moi je vois en fait quelqu'un qui tourne, qui pourrait tourner le dos à son entourage. Et c'est pour ça que du coup, hein, on va retrouver l'harmonie dans sa relation. Parce que l'autre va se rendre compte que ils sont mauvais, quoi. Et non, moi j'ai quelqu'un qui en a plein le dos, hein. Et vous allez avoir la victoire, hein, sur ce. Et on a encore la chance, hein, avec cette relation. Mais on parle d'amour, hein. Mais oui, j'ai vraiment un entourage qui veulent empêcher que votre relation puisse voilà, se construire, évoluer. Ils veulent empêcher votre relation. On ne veut pas vous voir ensemble. Et on va raconter n'importe quoi. On va vous provoquer pour justement provoquer des réactions chez vous. Qui pourrait leur donner raison auprès de votre autre. C'est pour ça, attention, ne soyez pas dans la réaction, mais il va falloir agir par rapport aux mensonges, par rapport. On parle aussi, hein, toujours d'être épié, d'être surveillé. Il va falloir mettre des limites. Hein, et on vous dit que vos rêves vont se réaliser avec la personne de votre cœur. Ça va prendre un petit peu de temps parce que il faut, voilà, déjà résoudre. Ces personnes ou cet entourage qui veulent absolument, hein, créer de la discorde entre vous, quoi, tout simplement, hein. Donc là, attention à cet entourage si ça résonne en vous. Et puis on vous dit que vous allez triompher. Restez calme, c'est ça aussi. Restez calme, tranquille, patient. Et puis j'ai l'impression que on va vous provoquer pour justement, hein, on cherche à ce que vous ayez une réaction inattendue en fait, hein, mais qui pourrait être qui pourrait en fait être à votre désavantage en fait, hein. Donc voilà, on va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors, un petit message de Marie, Reine des Anges. Et un message de comment dire de l'archange Raphaël. Donc nous avons Jésus, ouverture du cœur, pardon. Donc vos premiers messages. Donc Jésus qui vous dit, je prie pour rece alors Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Alors, après, quelle que soit votre religion, hein, vous priez, voilà. En qui vous croyez. Et nous avons ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement. Alors, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc voilà, pour vos premiers petits messages, conseils. Donc pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Et on va finir avec. Alors, je voudrais juste un message. Juste un message avec l'archange Raphaël. Un message pour la guérison pour vous, les lions. Ah. Alors, c'est des personnes qui vous stressent peut-être. En tout cas, elles cherchent de toute façon à créer des tensions, hein, que vous explosiez, hein, peut-être également. Parce que vous êtes des lions et ils savent que voilà, ça peut être explosif au bout d'un moment. Alors, nous avons les enfants. Alors, peut-être qu'on parle de votre enfant intérieur ou de vos enfants. La prière est, cher archange Raphaël, merci de m'aider à soutenir les enfants. Et en dos, nous avons attention aux allergènes. Alors, voyez si ça résonne en vous, hein. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à identifier et à éviter les substances allergènes qui sont néfastes pour ma santé et mon bonheur. Aidez-moi à avoir envie uniquement de boissons et d'aliments sains. C'est marrant, j'entends aussi, hein, peut-être que voilà, il faut éviter aussi, hein, toutes les personnes négatives, néfastes aussi à votre vie, les lions. On a les enfants, alors peut-être que c'est par rapport à des enfants aussi, hein. Donc merci de m'aider à soutenir les enfants, voilà, donner de l'amour, mais à un moment, est-ce qu'il n'est pas préférable de mettre, voilà,
une certaine. Ça peut être ça aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, pour vos petits messages, les lions, je vais vous souhaiter une très belle semaine et avant de vous quitter, un grand merci à tous hein, pour vos likes, vos messages. Merci pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.